Je suis en direct. Amis miens d'ici et d'ailleurs, bonsoir. Je suis Manou de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes et angloïdes. Le direct que vous écoutez s'appelle Les choses de la vie. C'est un espace que nous avons créé sur Facebook pour parler des choses de cette vie. Je suis en train de partager, hein, excusez-moi. Dans 2 minutes, on démarre. Voilà. Voilà. Linda, Somda est connectée, bonsoir. Envoyez-moi les cœurs, je vous en prie. C'est un dimanche, quand même. Hein? On doit se reposer le dimanche. Dans ça aussi, je viens faire direct. Vous m'avez donné quoi même? C'est le Tobassi, c'est quoi même vous m'avez donné? Je veux mes cœurs et partager le direct. Vous m'avez bassé, comme on dit en Afrique de l'Ouest. Bassé. Vous savez, aujourd'hui, normalement, c'était pas prévu, hein? C'est que quand même les portables sont à plat, déchargés. C'est pas bon même. Et demain encore, je dois être là. Oh, la vie des hommes. Quelque chose a changé, hein. Tu n'es plus la même. Quelque chose a changé. Ah, Manou de la vie. Avant d'aller au lit, pardon, attends-moi. Écoute d'abord le direct avant de tout coucher.
Bon, c'est bon pour aujourd'hui, je vais la partager. Partageons le direct, je vous en prie. Quelque chose a changé. Et quelque chose va changer dans votre vie. Le direct s'appelle les choses de la vie. Voilà. Ami bien dit c'est d'ailleurs. Voilà. C'est même plus par où commencer. Moi-même, je dis, voilà, direct, je ne peux pas parler. Je ne peux pas me passer de toi. Je vis avant toi. Partageons le direct. Dieu. Partageons le direct. J'en dirais que le dimanche n'est pas bon pour le direct. Hein. 40 personnes sont connectées. On va faire comment? Ami, bien dit, c'est d'ailleurs. Ce soir va me donner l'occasion de parler. Vous savez, sur le cheminement spirituel, il faut toujours s'interroger. Donc, le direct de quand c'était vendredi, voilà. Nous avons parlé des hommes qui sont durs, qui ne donnent pas argent. Quand tu vois son argent, tu as vu caca de chat. J'ai reçu trois témoignages aujourd'hui. Dieu, pourquoi tu nous as fait ça, non? Parlons, monsieur, là, c'est bon, repos. Dieu, là, pourquoi tu nous as fait comme ça, non? Quand on fabrique portable, là, on donne pour zoologie, on donne comment il faut faire. Mais Dieu a tout fait. C'est l'ignorance. Et les gens ont pris la vraie information, ils ont caché. Ils disent, laissez ceux-là, ils vont souffrir. La même bien d'ici, d'ailleurs. Vous voyez, Dieu a tout créé. Tout est dans sa parole et dans sa divine nature. La vraie parole de Dieu, c'est sa divine nature. C'est tout. Ah! Il dit, papa Manou, j'ai dit oui. Il dit, vous êtes un sorcier. Il dit, je ne suis pas sorcier. C'est le voile de l'ignorant que nous déchirons. Si toi, ton voile ne se déchire pas, ce n'est pas le problème de papa Manou de la vie. Le voile, quand il se déchire, ta vie donne. Trois témoignages. Depuis vendredi, j'ai donné la recette samedi. Les promesses d'argent non tenues. Quand il finit de livrer son mal, on va voir. Problème d'argent là, non, on va voir. Tu sais, c'est Dieu. Il y a le coronavirus. Même quand il n'y avait pas coronavirus, tu donnais pour voir ton argent là. C'est difficile. C'est lui-même qui a pris la donnée. Il dit, chérie, vraiment, tu as fait quoi même aujourd'hui là même? Ce n'est pas lui qui veut, parce que tout est là. Maintenant, dans cette recette, parce que j'ai dit ça le vendredi, j'ai reçu deux appels, deux contacts des frères africains. Ils sont quelque part là-bas en Europe. Comme j'ai dit, les femmes qui sont dans une relation amoureuse avec les hommes et tout, et que l'homme est dû là, maintenant eux là, ils sont dans homme et dans relation avec homme. Maintenant, il me demande recette. Comment il va faire pour que son homme-là lui donne l'argent? Ouais, je souffre. Souvent, je lis les messages, je ne vous réponds pas, pas parce que je veux. Parce qu'à l'instant, je ne suis pas moi-même. Je vous dis la vérité. Le travail que nous faisons n'est pas facile. Il y a toutes sortes de, je ne sais pas quoi, pollution visuelle, c'est-à-dire on t'envoie des images que toi tu ne veux pas voir.
C'est ça, on va t'envoyer. Il faut digérer. Il faut nettoyer. Il faut, tu écoutes les audios qu'il ne faut même pas écouter. Ça aussi, il faut gérer. Tu lis les messages que ça te décharge. Tout ça, là, il faut gérer. Mes frères, mes soeurs, vous qui m'écoutez, ce n'est pas facile. Je vous assure, ce n'est pas facile. Mais nous l'avons accepté aussi par la grâce de Dieu. Ça bouge. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Voilà. Un homme qui est dans une relation avec un homme, comme j'ai dit, voilà la recette que je vais donner pour les femmes qui sont dans des relations où l'homme est dur, son rayon est dur. Là. Maintenant, toi, homme, tu te fais passer pour femme maintenant, pour me demander une recette-là. Je ne peux pas te donner. Mon clavard maintenant consiste à te dire que tu n'es pas sur le chemin. Je ne suis pas là pour te juger. Mon clavard maintenant, c'est dit, comme maintenant toi, tu es venu de toi-même et que tu as été inspiré parce que toi, tu veux l'argent, que l'homme doit te prendre. L'homme doit prendre l'homme pour te donner l'argent. Toi, tu es devenu femme. Moi, je te donne une recette. Non! Deux corps de même nature font quoi? Deux corps de même nature. Donc, Dieu n'a pas été fou du fait qu'il y a la femme femelle et l'homme mâle. C'est les deux là qui vont ensemble. Parce que ce que l'un n'a pas, l'autre a. Ce que l'autre n'a pas, l'un a. Maintenant, deux corps de même nature doivent se repousser. Maintenant, c'est dans ça que vous êtes. Pourquoi moi, je te donne la recette? Pourquoi toi qui es devenu, toi qui es homme, maintenant tu vas devenir femme pour prendre l'argent? Je ne te donnerai pas. Tu n'es pas dans les conditions. Mon clavard maintenant, c'est de te sortir de là. C'est vrai, je ne juge point. Le jugement appartient à Dieu. Pour te dire que mes frères, vous n'êtes pas sur le chemin. Quittez dans ça. C'est vrai, c'est karmique. C'est plus que vous. C'est pas quelque chose de normal. On ne devient pas, on est. Même ceux qui, pour un portable, ont des pensions, qui sont devenus ceux qui sont dans ça là. C'est un portable ne peut pas changer l'homme. C'est une dette karmique. C'est spirituel. C'est pas des choses simples. Parce que si c'est l'argent, tu veux, même si on te donne 50 milliards, tu vas toujours aller faire ça. Donc c'est une dette. Parce que l'énergie sexuelle, pour toi, là où ça doit aller, c'est appris à côté. C'est comme on dit, vol, voilà Paris. Le vol en haut, là, en l'air, là. Au lieu de prendre la route pour aller à Paris, va à New York. Forcément, tu vas atterrir là-bas à New York. Tu as chance à changer de route. Maintenant, il faut régresser par la parole et par beaucoup de choses. Demander pardon à Dieu. Ce n'est pas ton chemin. Ce n'est pas ton chemin. Ça m'a fait mal, trop mal, trop mal, trop mal. J'ai dit, oh Dieu, pourquoi tu m'as mis sur ce chemin? Pourquoi? C'est lourd, c'est difficile, ça pèse. Vous n'imaginez pas le poids. Tu restes comme ça, des images. Quelqu'un te dit, papa, voici ce qui vient de sortir de mon ventre. Les cuillères qui sortent du ventre du père. Vous de la diaspora, demandez à vos frères et soeurs de venir chercher l'eau. Venez chercher l'eau, l'eau est là. Dieu merci, tout ce mois, la pleine lune aura lieu vers le 30-31, les deux derniers mois là. Dès le premier, demandez à vos frères de venir chercher l'eau. C'est là, c'est cadeau. Demandez-leur de venir chercher. C'est fait pour eux. C'est pas fait pour moi. Donc, Camille vient d'ici d'ailleurs. Mais ça ne va pas nous affaiblir. On continuera toujours de faire nos directs, de partager, de déchirer le voile de cette ignorance. Mais je peux vous rassurer d'une chose, c'est que toute personne qui a cette histoire qu'on appelle incube et succube, mari de nuit, c'est ma spécialité. Je peux me tromper ailleurs. Là, les spécialistes. Ça, c'est pour moi. Je suis très content parce qu'à Yaoundé, je vous ai même déjà parlé de ce soeur qui était enceinte. Et chaque fois qu'elle tombe enceinte, l'enfant passe. L'enfant passe à cause de mari de nuit. On ne s'est jamais vu. Elle dit, papa, quand tu viens à Yaoundé, là, je prends ton séjour. Je prends en charge tout ton séjour. Dès que tu descends,
du bus, je mets à ta disposition un taxi pour tes courses. Parce que je ne crois pas. Je suis allé partout. Alors que c'est les choses les plus simples. La divine nature. La divine. Quand tu as le secret, c'est là, c'est fait. Aujourd'hui, elle est heureuse parce que l'enfant est resté. On ne s'est jamais vu. C'est téléphone. Va faire tes choses, fais. Bon, j'ai envoyé dans le groupe de nos soeurs qui nous suivent, qui ont accepté de nous suivre parce que il y a la masse. Quand on fait, dirait, il y a 2000, 3000 vues. Il y a ceux qui nous suivent et qui ont accepté, n'est-ce pas, qui nous croient et qui se sont fait même scanner. Donc j'ai créé un groupe de diffusion. Hein? Ceux-là, j'envoie des recettes, des bonjours, des paroles de motivation. Je deviens comme un coach, hein, pour ces personnes-là. Donc ce soir, j'ai dit, mais tiens, la voix sage me dit, fais ce message, tu envoies. J'ai peut-être trois groupes de diffusion comme ça. Et un groupe de diffusion prend 250 contacts, pas plus. Alors je balance. Et il fallait que les gens interviennent. J'ai dit, bon, le message était comme un test de popularité, un test, appelons ça comme ça. Que chacun me dise, est-ce que tu es fier de moi? Qu'est-ce que tu me reproches dans mes directs, dans ma manière de faire? Je veux tes conseils. Oh, j'en ai reçu. C'est ça un père. C'est ça un père. Ce n'est pas la dictature. Il y a un témoignage, pas un témoignage. Il y a une réaction qui m'a plu. Une de mes filles qui vit en Europe, qui m'a dit, papa, tu parles trop des femmes mariées. Nous, là, on est célibataires. C'est trop avec les femmes mariées. Restez là, femme mariée. Restez là, femme mariée. Restez là, femme mariée. Comment prendre le cœur d'un homme? Comment faire ceci? Comment lui donner clé 14? Comment donner clé 15? Comment lui donner le coup? Comment? Jusqu'à donner même le nom. Appelle ton mari maître. Et nous qui sommes les célibataires, qu'en sera-t-il? Quel est notre sort? Papa, donc, dans ça, là, il n'y a pas de réserve pour nous les célibataires. J'ai écouté direct. J'ai écouté sa réaction 8 fois. J'ai dit non, je vais partager, j'ai partagé. Hey, si j'avais su. Entre vous et moi là, il n'y a pas de limite. Hein? Quand je dis à quelqu'un, il faut me contacter, fais-toi violence. Si tu veux jouer les trucs protocolaires, les règles de bienséance, non, il est là 23h, si j'appelle papa, c'est pas bon. Non, il n'y a pas ça. Mettez-moi la pression. Quand un enfant a faim, il n'a pas besoin de savoir si son père a été payé, a eu son salaire ou pas. Ce qui lui importe, l'enfant là, c'est de manger. Papa, tu dois me donner à manger. Tout ce que vous allez faire, allume la télévision, mets le climatiseur, nettoie la maison, balaie, lave-toi, fais tout. L'enfant veut manger. Tant qu'il n'a pas mangé, il va manifester. Oh, tu mets sur le dos, il pleure. Tu mets sur ta tête, il pleure. Je veux manger. S'il ne parle pas encore, c'est les pleurs. Les pleurs, c'est pour te dire, ça ne va pas. Donne-moi à manger. Dès que tu as fini de. Il a fini de manger. Maintenant, vous allez jouer. Hein? Si tu dis, papa, viens ici, il vient. Monte, il vient. Mais tant qu'il n'a pas mangé, non. Il s'en fout, il t'attrape même. C'est ça. Sur le cheminement spirituel, vous devez vous comporter comme des enfants. Non, papa, il est 20h, je ne peux pas l'appeler. Mais tu n'es pas obligé de m'appeler, laisse-moi un audio. Je lis, je ne réponds pas. Mets pression, papa, mais qu'est-ce qu'il y a quoi? Tu m'abandonnes ou bien? Le royaume des cieux appartient aux violents. Si tu ne te fais pas violence, tu n'auras rien. Se faire violence, c'est aussi ne pas faire comme la masse. Parce que j'ai décidé dès lundi, je parlerai des célibataires, de ceci, mais vous, en majorité, vous êtes pas votre hygiène de vie, pas votre manière de vous comporter, vous êtes votre propre obstacle pour que l'homme ne vienne pas à vous. Ma fille qui est en France, elle m'écoute. Je lui ai dit, je vais parler de toi aujourd'hui. Je lui dis, celle qui réceptionne les ingrédients, en fait, je peux l'appeler votre sœur. Elle est fidèle. Elle est serviable. Elle est disponible. Celle qui fait toutes nos courses, qui envoie les colis par-ci, à Bordeaux, à Nice, à ceci, à ses propres frais.
Elle n'a pas un salaire. Donc aujourd'hui, je lui ai dit, bon, fais-moi une vidéo pour me montrer les ingrédients que tu as, parce que demain, j'ai 10 kits que je dois envoyer demain en France. Mercredi, au plus grand temps, elle va réceptionner. Bon, fais-moi vidéo. Déjà, il ne fallait pas que je demande vidéo là. Pendant qu'elle filme, elle est célibataire, endurcie. J'ai dit endurcie. Maintenant, pendant qu'elle fait vidéo, je vois ses ongles. Hii! Caïson n'est pas bien. Les ongles sont comme ça. Il dit, ah! Donc, chaque fois que je fais direct, je dis, vos ongles surnaturels, vous mettez là. Ça constitue un obstacle. Pour vous, là, vous ne comprenez pas. Hein? Ah! Allez, ma tourée. Bonsoir, ma fille. Ah, je comprends maintenant. Et après, je lui ai dit, hey, ma fille, je suis sûr. Il dit, c'est quoi, papa? J'ai dit, gars, dirais, je fais chaque fois, je fais chaque fois. J'ai dit, vous, les femmes, ne portez plus les ongles artificiels. Toi, ça entre ici, ça sort ici. Maintenant, j'ai vu tes ongles longs comme ça, là. Maintenant, dans ça, elle est célibataire. Mais à qui la faute? Quand on te dit, voici les choses si tu veux que l'homme vienne vers toi, les hommes doivent venir vers toi, là. Fais tes choses, fais tes choses. Parmi ces choses, tes ongles, là, il faut les avoir naturels. Maintenant, ça entre ici, ça sort ici. C'est un effet de mode, c'est quoi? On vous a prescrit ça à l'hôpital? Mais voilà pourquoi je ne m'attarde pas trop. Parce que quand je regarde mes photos, je regarde même vos pages Facebook, vous ne changez pas. Mais pour moi, ça sera comme si, bon, je prêche dans le désert. Vous ne me montrez pas que oui, je suis l'enseignement du vieux. Les ongles sont longs comme ça, là. Je ne mets la honte. J'ai dit à ma fille, donc c'est dans ça. Moi, je vais me réjouir que, ah, c'est comment, c'est si. Et dans son scanner, même, je lui ai dit, tu vas faire la rencontre d'un blanc qui va te gâter avec l'argent. Donc, c'est dans ça. Mais c'est pareil pour vous. Comment je vais me mettre à parler de célibat, célibat? Comment faire pour sortir dans célibat, célibat, célibat? Quand je vous dis, laissez vos cheveux naturels, c'est comme si vous ne mettez pas mèche. La police va vous gifler en route. Ou bien un fou va te gifler parce que tu n'as pas mis vos mèches là sur vos têtes là. Mais ça ne peut pas aller. Même si ça passe, ça roule des difficultés. Vous ne regardez pas vos vies avec celles de vos ancêtres, vos mamans, vos papas d'avant-avant là. Vous ne voyez pas qu'ils étaient mieux? Une fille, jeune fille de 22 ans, dans les années 70-75, elle ne peut pas ne pas manquer de mari. On parle, vous ne comprenez pas. Je fais direct, je mets même le mot dedans. Je parle de Mekop, Takom, Pako, Boukou, Makop, Akakokop. Tout ça là, je parle pour vous dire que ce n'est pas bien. Ça entre ici, ça sort ici. Ah, papa parle pour lui. Hein. Et vous voulez que je parle de célibat? Comment vous voulez sortir de ça? Voilà, c'est les règles élémentaires. Le corps physique là, pas votre corps physique, ça doit refléter l'intérieur. Si tu as tout ce qui est en toi est artificiel, mais le mariage sera difficile pour toi. Mais pourquoi vous voulez que je parle maintenant de ça? Alors que vous-même, vous n'êtes pas dans les conditions à avoir le mariage. On dit, mèche là, ne portez plus ça. Laissez vos cheveux naturels. Tu peux peut-être une sortie. Mais pourquoi même vous voulez faire comme ça? La masse crée qu'on circuit. Pourquoi vous ne comprenez pas même? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui est dans vos têtes? Qu'est-ce que je dois même dire? Est-ce que vous avez vu une femme qui n'a pas mis mèche, on lui a dit, hey, elle est sale? Les faux ongles, on vous dit, ça rentre ici, ça sort. Sur 1000, vous qui m'écoutez, 1000, 950, à cet instant, si je demande à chacune de vous, montrez-moi vos ongles, vous aurez honte. Vous ne pouvez pas. C'est les ongles artificiels. Et dans ça, tu cherches Marie. Tu n'auras pas. Moi, je suis désolé. Hein? Ah oui, c'est la vérité. Disons-nous la vérité. On dit, faites ceci, vous ne voulez pas. Faites ceci. J'ai acheté, mais ça fait 800 000. Vends ça. Prends l'argent, on va donner aux orphelins. Dieu va te bénir. En faisant, tu fais tes voeux. Excusez-moi, je vais allumer. À cause des copines de l'humain, tout et tout, là, mon climatiseur a des soucis depuis. Là. Donc, je vais allumer le ventilateur. Il est chaud. Ah, tiens. Ça, c'est la magie, je vois, avec vous. Il y a quoi? Hein? On dit d'abord pas la tête. Laissez vos cheveux naturels. Ça, c'est impossible pour vous. Mais vous, comment vous pouvez m'encourager à vous parler de mariage? Je ne peux pas. Parce que c'est là. C'est quand vous allez. Je te donne 40 jours.
On dit ça, maintenant Dieu t'a créé, il laisse ça là. Et on vous appelle quoi, les fossiles. Il y a même une femme qui a fait ça, ça a percé ses yeux. Tu vas dans un couple, pourquoi mettre les fossiles? Ça ne suffit pas. Né que Dieu a créé, tu dis ça ne va pas, tu mets caillou, tu prends fer pour percer sur ça. Quand un homme te voit là, il comprend, il dit, du coup, quand tu n'es pas naturel. Vous pensez que les hommes sont fous? Il te va te considérer comme une pute. Ah, celle-là avait allumé, quitté là. Ça, c'est flashage. Donc, tu flashes pas, il prend. À l'instant, pam. C'est tout, il quitte dans ça. Le mat est serré. Vous croyez que les hommes vont vous aimer parce que vous avez les mecs de 1 200 000 là, hein? C'est le connerie, c'est la vanité. Ça ne vous apporte rien. Vous pouvez péter une soirée, vous dites bon, soirée, ceci. Voilà, vous allez vous faire, vous mettez. Après ça, pam. Vous pouvez me porter après 5 ans. Chaque jour de votre menu du jour, vous devez être naturel. Il y en a qui prennent les bagues, qui enfilent dans tous les doigts là. On dit, spirituellement, la femme doit laisser ses ongles pousser. Long. Ce qui est conseillé spirituellement. C'est un voile, c'est l'ignorance que j'enlève déjà. Maintenant, vous, vous dites non, vous ne voulez pas. Vous coupez vos ongles, ils deviennent courts. Maintenant, vous prenez ce qui devrait être long là. Vous prenez ça en faux pour mettre. Et vous prenez la colle, vous mettez dedans. Mais méfiez-vous, hein. Il ne faut pas que quelqu'un va me tensionner ici. Voilà. Ben, ça devient trop. Je ne peux pas faire direct chaque jour, je parle des mêmes choses. Ben, déjà, nous sommes des célibataires. Oui, tu es célibataire. Qu'est-ce que tu fais au quotidien pour sortir du célibat? Dis-moi la vérité. Tu viens ici, tu crées, c'est pas pourquoi. Tu mets maintenant ça, où c'est les cornes. Tu mets l'eau, c'est les cornes. Voilà ma tête. Hein? Je ne mets pas de produit. Je n'ai pas de pommade. Mon lait, c'est le cyclone. Voilà mes cheveux. Mes amis, à plus de 50 ans, ont les cheveux blancs jusqu'à sa veste là. Parce que je cherche Dieu. Hein? Mais avez-vous, on dirait que si la femme n'a pas ça là, on dirait qu'on va dire non! Sortez dans ça, vous allez voir. On t'a déjà parlé des cheveux, les ongles, ton nombril, tes seins, ta cuisse, même dans ta démarche. Maintenant, on vous donne les recettes pour les célibataires. J'ai reçu une autre, elle a fait recette de l'eau qu'il faut poser. Après quelques jours, il faut enlever, faire ceci, tout et tout. Maintenant, dans le rêve, elle voit un ancien gars. Le gars, le gladien, il a gladié autant pour moi. Elle dit, ah papa, comment je peux voir rêver de ça? Elle dit, mais voilà ton mari que Dieu avait prévu pour toi. Et non, à l'époque, là, il n'était pas quelqu'un. Il n'était pas quelqu'un. Et il était quoi là? Elle m'a dit un truc là. Il travaillait dans un magasin là. Il n'était pas quelqu'un. Mais aujourd'hui, il est quelqu'un, il est une femme. Es-tu prête à être une deuxième femme? Non. Voilà ce que l'homme avait prévu, Dieu avait prévu pour toi. Ah, papa, l'autre là, je l'ai vu, mais vraiment, lui là, son affaire là. Vous voyez, c'est-à-dire, on te donne homme, c'est toi maintenant à commencer à juger. Est-ce qu'il peut? Non! Tu veux homme bien, tu veux quoi? Au juste. Tu penses que l'homme, tu vas vouloir là, tu dois le moduler, c'est-à-dire créer, il faut qu'il ait les yeux comme ça, il faut qu'il gagne 500 000 au mois, il faut qu'il ait une belle voiture. Tu te trompes, hein? La parole de Dieu dit que vers la fin des temps, c'est ce qui se passe. 6 ou 7 femmes vont se réunir, qui ont l'argent plus que toi. Que, ah, comment nous allons quitter le monde sans qu'on ne nous appelle madame? Maintenant, le défi, maintenant, c'est qu'il faut qu'on t'appelle madame. Parce que juste qu'on t'appelle mademoiselle. Tu as 40 ans, 45 ans, il faut qu'on t'appelle madame. Voilà l'enjeu. Donc, elles vont se réunir, chercher un gars qui est un pousseur pour dire pardon. Nous avons l'argent, nous avons de quoi nous vêtir, de quoi manger, de quoi vivre, de tout. On a tout. Tout ce qu'on te veut, te demande, prends-nous comme tes épouses. Voilà comment les gigolos vont naître. Maintenant, vous qui êtes dans un cercle ésotérique fermé, en suivant le direct, on te dit, ne sois pas comme ces femmes-là, 6, 7, qui vont à la fin des temps faire. Respecte ces choses-là. Ne fais plus ça. Ne fais plus ça. Ne fais plus ça. Ça ancre ici, ça sort ici. Moi, je vais parler de femmes mariées. Je vais parler de femmes, au moins elles sont dans mariées. Pour dire, toi là, ne fais plus. Pour attraper ton mari, la fais ça. Parce que c'est décourageant. Trop décourageant même. Comment ça peut motiver quelqu'un? On n'est pas lié par des histoires de bien. Hein? Nous sommes liés par la spiritualité.
Je ne vous parle pas de la religion. Hein. Allez fréquenter les pasteurs que vous voulez, allez dans les églises comme vous voulez. Moi, ça me laisse à cancer. Mais je parle de la spiritualité, de ce que Dieu veut. De ce que Dieu veut de toi, là, c'est de ça que je parle. Les hommes qui mettent les... Mais un homme avec ça, là, même s'il a bac plus 20, quand il vient doter une femme, l'homme, sauf si l'homme ou le père, les parents de la fille sont aussi dans le monde là. Mais tu ne pouvais pas, nous, que porter boucle d'oreille. Venir frapper pour que tu as fait ton temps sur la femme, l'enfant de quelqu'un. Le père va sortir la maquette. Mais aujourd'hui, c'est permis. Et ils mettent même jusqu'à mec ici. Donc le mec, il pèse ici pour prendre ma fille, mec. Ça dit tout. Qu'est-ce qui t'a poussé? C'est la jeunesse. C'est une jeunesse mal orientée, mal formée, qui te pousse à mec. Les trucs, vous connaissez même la signification, la base même de ces choses, l'origine même de ces choses que vous voyez là. Vous voulez être dans la mode. Je vais être à la mode. Je vais être à la mode. Donc moi, je ne me suis pas pomadé, je ne suis pas garçon. Quoi. Je dis lait de toilette, je ne connais pas lait de toilette. Mon parfum, c'est le citron. Je me nettoie propre. En bas, en haut, partout, le citron. Et je suis propre, je ne me fatigue pas ma vie. Je ne sens pas, je n'ai pas d'odeur. Propre. Parce que c'est ça que Dieu a créé. Maintenant, vous, parfum, j'ai utilisé ça avant vous. Les déclarations des quartiers, Saint-Laurent, tout boss. J'avais au moins une collection. Quand je regardais, c'est même les 400, 500 000 que je mettais rien que dans le parfum. Ça m'a servi à quoi? Quand j'étais dans le monde. C'est parce que j'étais dans le monde que ça ne donne pas, que je vous dis aujourd'hui. Quittez dans ça, mes soeurs. Voilà ma fille qui a des faux hommes. Et chaque fois, papa, le direct était bon. Hein? Papa, quand le matin me lève, je dis, bon, ne manquez-moi vos ongles là. Je me dis, je parle aux grandes personnes. Bon. Mais tu vas mourir dans célibat. Et la petite fille de 19 ans qui m'écoute, qui va expliquer, elle va venir se marier devant toi et il n'y a rien. Mais c'est ça qui est la vérité. Vous dites, non, papa, tu parles que des femmes mariées. Mais parce qu'au moins, elles ont la grâce de mariage. Il faut même devoir les consolider, donner les codes pour que le mariage ne capote pas, pour qu'elle ne devienne pas vous. Maintenant, vous sortez de là. Ne faites plus ça, hein. Ne faites plus ça, hein. Ne faites plus ça, hein. Ça ancre ici sa soeur. Ça ancre ici. Après, vous allez me dire, papa, vraiment, tu parles que des femmes mariées. Ils vont parler aussi de nous, les célibataires. Waouh, Dieu, qui m'a mis même? Qu'est-ce qu'il a même fait même que je... Ça a commencé même. Dieu, toi-même, tu as fait comment pour que moi, je me fasse dire même. Hein? Oh! Vraiment, je ne comprends pas. On dit pour gagner un match de football, là, va t'entraîner le dimanche. Entraîne-toi à 18h. Entraîne-toi à 20h. Tu vas gagner une coupe, là. Tu dis non, tu ne t'entraînes pas. Parce que je compte sur la Bible. Ah, mais ce n'est pas le problème de Manon de la vie. Tu ne peux pas faire. Les témoins sont clos. Maintenant, j'ai balancé. Il y en a qui étaient dans le célibat. Tu as fait, il y en a même qui ont déjà accouché. Au départ, ça fait un an. Maintenant, les actus, ça a marché. Elle avait deux hommes, deux prétendants. Elle a choisi d'elle-même en faisant les rituels de basilic. Pam! Aujourd'hui, quand depuis l'autre jour, j'ai envoyé une recette, que les hommes qui sont durs et tout, je vais vous donner les recettes. C'est là maintenant, j'ai tout lu. Ah, donc tu es parti faire par derrière ta enceinte. Tu m'as dit. Non, tu ne vas pas dire. Quand c'est doux, vous ne parlez pas à papa. C'est quand c'est mauvais. Ah, papa, ça ne va pas. Mais quand ça va, là, tu dis à papa. J'ai même appris beaucoup de mes filles que depuis même j'étais, elles ne répondent pas. Jaya est enceinte. Jaya vient d'accoucher. Papa, il vient d'accoucher. Tu m'as dit non. Mais c'est bon. Non, vraiment. Cherchons à nous comprendre. Cherchons à comprendre. Qu'est-ce qui ne va pas? Où est le problème? C'est vous le problème? Mon rôle est de vous donner, de déchirer le voile de l'ignorant. Ce que tu fais là, il n'y a pas ton salut dedans. Tu es dans ça, tu perds ton argent pour rien. Je suis un homme, moi je ne peux pas draguer une femme qui a les mèches, les ceci, les make-up, les zincop, les facop, les takakakop, tout. Je ne peux pas, non. Et les femmes vanité, là, mais ça, après quand tu as fait ça, c'est les poumons, les produits qui sont... Non, non, je ne peux pas. Même quand j'entre dans un taxi, je coupe là, je me donne le dos. On dit, monsieur, c'est quoi? Il dit, non, j'ai mal au dos, il faut que je reste comme ça. Parce qu'elle ne veut pas qu'elle me touche. Elle, c'est la souillure. Elle met les produits, elle met les ongles sont là. Même quand tu avais présenté, elle fait ça.
mais pourquoi vous aimez la souffrance même? Il y a quoi? Il y a quoi même? Il y a quoi? Il y a quoi? Ah, vous avez prescrit ça à l'hôpital ou bien? Hein? Voilà mes doigts. Ceux qui me connaissent il y a 20 ans, je vous dis qu'il n'y a rien dedans. Quelqu'un qui buvait te dit qu'il n'y a rien dans boisson. Tu ne peux pas comprendre. Vous pensez que je fais dire pour rien? C'est parce que je connais. Je suis passé par là. Voilà mes doigts, il n'y a pas de bijoux. Ceux qui me connaissent, à l'époque, mon doigt c'est comme ça. Il y a au moins 500 000 francs sur ça. Ça m'a apporté quoi? Les agressions, les problèmes, les gnagnagnagnes, les ceci, ceci. Et pour finir, même les bijoux là sont partis comme ça. Alors que j'aurais pu prendre cet argent, créer un centre de santé même dans mon village. Et je mets mon nom, c'est, mon nom est resté gravé comme ça dans la mémoire. Déjà, ils vont prier pour moi. On vous parle, vous comprenez. Non, il y a même. Le moment arrivé, non? C'est la fin d'année. On va vous envoyer ça comme ça. Les mails de ceci, les parfums de gagner, les make-up de ceci, les tas comme de ceci, les faux ongles. Eh Dieu! Non, ma fille, je suis. Wesh! J'ai eu un dégoût aujourd'hui, vraiment. Et c'est pour elle, c'était long comme ça, là. Elle était dans ça, tu es célibataire. Vous trompez vous-même, hein? Vous vous trompez vous-même, hein? C'est pas papa Manou, hein? Moi, quand il finit le direct, il m'en veut boire, j'ai l'eau minérale, hein? Je n'ai pas à manger, je ne souffre pas. Non, je ne dois pas me calmer. Je suis révoltant, Myriam. On dit, je parle aux enfants. Bon, ce n'était que ça. On donne les recettes, vous ne faites pas. On vous dit, ne faites pas ça, c'est ça que vous faites. Vous n'aimez pas les interdits. Ok, allons-y. Allons-y. Ah, allons-y. Je vais me battre. Il y a les hommes qui se sont plaints que, ah, papa, tu parles trop de femmes. Ça, c'est vrai, vous avez raison. Vous savez, la femme, c'est l'humanité, c'est la vie. C'est pour ça que les pleurs d'une femme, vous savez, Dieu m'a fait une grâce que je suis né dans une famille où j'ai 8 soeurs et j'ai un seul frère. Donc, vous comprenez, quand une femme pleure, j'ai mal, j'ai trop mal. Je vais d'abord servir la femme et après. Donc, je suis né. J'ai grandi, j'ai été élevé par les femmes, 8 sœurs qui m'entourent. Donc, pour qu'une fille vienne comme ça sortir avec moi, jalousie de ça, oh. La grande ne va pas aimer. Elle va dire, est-ce que la fille-là, elle vaut. Donc, c'était vraiment aujourd'hui, bon, on a grandi. Hein? Ce n'est plus, on n'est plus dedans. Voilà, les hommes ont raison. Je ne parle pas de faiblesse sexuelle, éjaculation, de leurs problèmes, l'hémorroïde. Tout ça, c'est problème de femme seulement. Vous avez raison. Ça, c'est vrai, vous avez raison. Donc, dès demain, lundi, je vais commencer à donner, même ce soir, à donner des recettes, parce que ce n'est pas bien. Vous savez, notre organisme que vous voyez là, quand tu es encore jeune, un bébé, quand un enfant de 7 ans pisse, tu vois, il peut, avec la force qu'il a là, hein, quand il pisse là, tu vois, les urines là peuvent aller comme ça, avant de descendre. Mais plus il va vieillir, il ne pourra plus faire ça. Parce que le corps ne répond plus. Alors, je vous le conseille, je vous en prie. Quand vous vous levez le matin, femme comme homme, ta première nourriture, la première chose que tu dois mettre dans ta bouche, il faut que ça soit quelque chose, un médicament. Si c'est la nourriture, il faut que ça soit un aliment. C'est-à-dire une nourriture qui te nourrit. C'est-à-dire quelque chose qui te nourrit, un aliment qui te nourrit et qui te soigne. C'est ça qu'on appelle aliment. Donc, si tu te lèves le matin, que première nourriture, c'est pas. Parce que l'organisme est comme une voiture. La voiture, chaque fois, il faut aller faire vidange. Il faut faire contrôle. Il faut. On dit qu'il y a à chaque année, la femme, chaque 6 mois, la femme doit aller faire des tests. Voir si tout va bien en bas. Gne, gne, gne. Si en haut, là, les seins donnent encore. S'il n'y a pas un début de cancer, des seins. Si les yeux, là, donnent. Oui, c'est ça. Maintenant, les hommes aussi doivent faire pareil. Surtout l'appareil génital de l'homme, là. Parce qu'au fur et à mesure que tu travailles avec, au fur et à mesure que ça subit des conséquences. Quand tu avais 25 ans, tu donnais 8 coups. Mais quand tu auras 50 ans, tu ne pourras plus donner 3 coups. Ce n'est pas toi qui veux. Le corps s'amortit. Alors, Dieu a tout créé. Dans la divine nature, tout est dedans. Pour ne pas être surpris que à 30 ans, à 25 ans, tu as dans la maladie des personnes, des vieilles personnes. Donc, dès ce soir, ami mien d'ici, mon cher frère, je vais dès demain lundi donner les recettes pour des hommes, parce qu'il y a cette histoire d'éjaculation précoce, la faiblesse sexuelle. Maintenant, même ce soir, si vous en avez,
Pour ceux qui ont l'éjaculation précoce, vous voyez, il faut chercher le gingembre, ce qu'on appelle le ginger, le gingembre. Vous connaissez bien le gingembre. Il faut prendre ça, je peux dire une poignée. Tu prends un demi-litre de miel. Dans le gingembre, là, tu peux écraser. Tu prends un demi-litre de miel. Voilà ça. Demi-litre de miel, voilà ça. Tu as le gingembre écrasé. Hein? J'aime même souvent ça là. J'aime pas manger quand ma voix même est un peu enrouillée là. Tu mets ça dedans. Vous les hommes, les femmes aussi, vous pouvez faire ça pour vos maris. Parce que plus c'est l'enfant, toi aussi, ça te plaît. C'est la chose que tu peux d'ailleurs préparer quand monsieur se lève le matin. Tu sais une fois à la table, tu dis chérie, prends ça. Il boit, c'est bon. Vous voyez? Voilà. Donc, demi-litre de miel, tu mets ça dedans. Maintenant, tu cherches 2 litres d'eau. Hein? Voilà, 2 litres d'eau que tu mets aussi dedans. Et il y a la couleur du lion. Il faut que je vous... Demain, je vais vous montrer la couleur du lion. Hey! Et d'une puissance incroyable. Comme par l'aphrodisiaque, lui là. La couleur du lion. C'est le las, quoi. Mais est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais vu la couleur du lion? C'est trop puissant. Tu prends ça aussi, tu mets ça dans ça. Donc, tu as une bouteille de 2 litres d'eau. Dedans, tu as mis le gingembre. Tu as mis un demi-litre de miel. Et tu as mis la couleur du lion. Tu laisses ça comme ça. Ça passe 3 jours. Après 72 heures, tu prends chaque soir au coucher, tu prends un verre. Voilà. Vous voyez, parce que quand je parle, beaucoup croient que je parle pour parler. Regardez ça. Voilà. Voilà. Vous voyez, je prends comme ça matin, midi, soir, un verre. Parce que je ne veux pas être surpris. Ouais. Je ne veux pas être surpris. Ça, c'est un médicament. Tout ce qui est dedans est naturel dans la divine nature. L'aloe vera, tout est dedans. Le bibinga, le bois, le baobab. Donc quand je prends, je bois. Je prends, je bois. Je prends, je bois. Ça me nettoie. Puisque tout homme est appelé à avoir la prostate. Donc tout ça là, ça commence à corriger tout doucement. Mais on dit l'homme là ne tombe pas malade. Mais parce que j'ai une bonne hygiène de vie. Ah oui, je cherche la divine nature. Si pour moi, je sais la divine nature. C'est de ça les questions. Quand il va finir le dîner, papa, avant de m'endormir, je prends. Quand je bois, je mets. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu vas boire? Une bière. Entre toi et moi, où est la différence? Moi, j'ai cherché Dieu. Toi, tu as cherché le contraire de Dieu. Et qui va souffrir, c'est toi. Donc, voilà une recette que vous pouvez faire facilement. Vous voyez? Les liquides ne voyagent pas, sinon j'allais composer pour envoyer. Et comme ça, vous pouvez facilement faire vos rituels. Oui, la couleur de lion peut voyager. De la couleur du lion, ça peut voyager parce qu'on peut rendre ça en poudre. Le gingembre, ce n'est pas compliqué. Mais le miel, il faut que vraiment ça soit ta personne qui voyage avec. Pas DHC, ils ne prennent pas. Ils refusent. Ils disent que c'est vous qui. Donc, il y a ça. Il y a aussi des hommes qui ont le sperme qui est faible. Hein, le sperme qui est faible. Mais Dieu a tout créé. Tout est dans la divinité. Il y a au moins 1 million de recettes pour ça. Ça, c'est pour les hommes. Et quand un homme est pile, la femme est contente. Bah oui, quand le lit répond, la femme, quand elle sort le matin, là, moi-même, je peux me placer dans un carrefour. Je dis, telle femme a fait l'amour hier nuit. Telle-là n'a pas fait. Il y a 2 jours. Après 3 jours, je peux dire si une femme a fait l'amour ou pas. Pas sa démarche. Quand je vais lui dire bonjour, elle me répond. Je dis, hé, ma chérie, tu as bien dormi la nuit là-dedans. Et là, mais monsieur, quoi, avec quoi? Il dit, ah, ton chéri, là, vraiment, tu n'as pas mangé son riz cadeau. Eh, riz, c'est moi. Toi, là, monsieur, là. C'est ça, femme. Ouais, affaire là. Dieu. Dieu, il fallait que chaque lundi, tu envoies le ciel, là, tu nous dis, voilà tes commandements. Parce que les gens sont trop sceptiques. Ils ne croient pas. Ils ne croient pas à Miriam Makeba. La maman, pour la maman, il lui faut les coquilles d'œufs. Parce qu'avec ces crames-là, le miel, bon, je vais m'occuper au plus tard mardi. Pas le lundi, si je suis occupé, je vais l'avoir peut-être mardi. Mardi ou bien demain soir. En fait,
C'est 15 jours plus tard, mardi, je vais la voir. Voilà. Donc, il faut les noix de coco. Les noix de coco, l'eau de ça aussi nous aide pour les bains d'attirance. Quand tu sors comme ça, la garçon te voit. Même garçon fait sa femme. Ouh! Non, je fais plus ça. Quand je fais vraiment, les gens me regardent, les gens veulent me dévorer. Je dis, ah, tiens, je suis obligé de porter les cachets là. Je mets ça même jusqu'ici pour fermer. Et là, les chapeaux, quoi, je ferme. Pourquoi on ne me voit pas? On dit, le monsieur là, il fait malin. Voilà, il faut ça. Jus de noix de coco. Tu as demi-boîte, pas demi-boîte. Tu as une boîte de lait non sucré. Tu mélanges dedans. Tu prends l'œuf du village, tu casses, tu mélanges dedans. Tu prends. Tu mets ça dans un bocal, tu vois. Tu frappes comme si tu faisais l'œuf. Comme si tu faisais une omelette. Voilà, tu frappes ça correctement. Et qu'est-ce que tu fais? Ce mélange-là. Ce mélange, voilà, tu vas donc le prendre chaque fois pendant 3 mois. Voilà, pendant 3 mois. Donc tu essaies de boire ce mélange-là pendant 3 mois. Hein? Chaque semaine, tu prends une fois pendant 3 mois. Tu vas voir que. Qu'est-ce qui se passe? Parce que je suis déchargé, donc j'ai mis le chargeur. J'ai mis le chargeur pendant que je fais le direct sur le portable. Comme le dimanche, je ne fais pas le direct. Donc, depuis vendredi, je n'ai pas chargé le portable qu'il fait pour le direct. Voilà, c'est un peu ça. Donc, amis miens d'ici d'ailleurs, c'est un peu ça. Vous avez vraiment raison. Beaucoup raison. Voilà, excusez-moi, ce n'est pas de ma faute. Si je suis parfois dur, c'est parce que ce que nous vous donnons est tellement immense, tellement fort, tellement costaud que... Vous voyez, c'est comme un maire. Il donne les cours aux heures convenables. Après, il fait des heures de répétition pour dire, allez préparer cet examen, le CP là, ou bien le BPC pour votre bac. Maintenant, arrivé, il dit, voilà ce qu'on va vous donner. 1 plus 1 égale 2. Vous avez compris, oui. Le jour de l'examen, 1 plus 1, de quand un dorme, il va écrire 0, de quand un moins 4, il ne sera pas content. Parce que je préviens, je vous ai déjà dit que voilà ce que vous aurez comme épreuve. Donc, c'est pareil. Quand je vous dis ne faites pas ça, ne n'insistez pas. Votre salut n'est pas dans ça. C'est de l'argent gâté. 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 Tu ne peux pas chercher Dieu et tuer Dieu chaque fois par ta manière, ton hygiène de vie, ta manière de vivre, ta manière de manger, de penser. Non, Dieu ne sera pas en toi. C'est de ça qu'il est question. Il ne peut pas. Tu ne le verras point. Tu peux aller dans les églises, vous allez voir. Je vous ai dit, je vais créer une église de pleine lune. Le nom de l'église est l'église de pleine lune. Non, le jour où j'ai messe, il y a mèche chez moi, non. Les femmes doivent être naturelles. Pas de mèche. Va. Ici, c'est la maison de Dieu. Mais regardez, elles viennent, les mèches sont même jusqu'aux fesses. Elles sont les talons, les pantalons, portables, les doigts sont comme ça. Et quand on dit Alléluia, elle fait ça. Alléluia. Elle vient chercher le miracle. Elle ne vient pas chercher Dieu. Et maintenant, dans ça aussi, les pasteurs les servent. Quand c'est on vous sert, on vous fait, on vous vend le vent, on te vend le vent. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est la vérité. Ah. Ah, papa, après le direct, je vais te montrer. Voilà, Lorenzo. Que Dieu vous bénisse. Population de Libreville. Voilà. Donc, pour ceux qui ont eu la chance de faire le rituel de la plante mimosa, bébé d'or, là, je ne sais plus qu'est-ce qu'elle veut vous donner. Hein. Normalement, je ne devrais même plus faire le direct. Peut-être je fais le direct pour qu'on commande, on se parle, on rit pas. Tout vous a été donné. Pour ceux qui ont des problèmes d'argent, l'argent ne vient pas là. Le confinement, ce n'est pas une invention de Dieu. Dieu a créé ses saisons. Saison 16, saison de pluie. C'est ce que Dieu a créé. Saison 16, saison de pluie. Petite saison de pluie, petite saison sèche. C'est ça que Dieu a créé. Dieu a créé l'eau, il a créé le feu, il a créé la terre, il a créé l'air. C'est ça que Dieu a créé. Les histoires de confinement, ce n'est pas ton affaire. Il ne faut pas s'ancrer dans tes oreilles. Ça ne doit pas t'impacter. Cherchez le bois de cèdre.
C'est ça qui est sur le drapeau, comme emblème, sur le drapeau du Liban. Bois des cèdres du Liban. Prends un petit morceau de ça, mets ça dans ton porte-monnaie ou bien dans ton sac à main. L'argent ne te manquera plus jamais. Ami bien d'ici d'ailleurs. Vous voulez que je vous donne quoi même? Hein? Que je vous donne quoi? Confinement n'est pas ton problème. Hein? Même quelqu'un qui te doit depuis là va t'appeler pour dire. Donc je parlais de Mimosa. Vraiment, c'est un témoignage. Je n'ai pas voulu parler, mais il faut que j'en parle. Une de nos soeurs qui s'est battue, elle a fait ça. Vous avez déjà vu l'écoulement jaunâtre? Que tu finis un bain. Tu finis le bain. Tu te laves, tu restes au salon maintenant. Quelque chose coule. Ça coule sur toi et c'est jaune. Le liquide sort où c'est jaune. Parce que les gens... J'ai dit, ce rituel brise. Tout sort qu'on vous a lancé et toute malédiction qui vous a été lancée. Ça brise. Comme vous le voyez là. Tu vois, quand tu te dors, en fait, tu lèves. Mais c'est le feu qui est là. Mais qui va te dire ça? Si ce n'est pas Mano de la vie. Ami mien d'ici d'ailleurs. Plus vous êtes heureux, plus je le suis. Mais je sais, beaucoup ne sont pas contents de ce que nous faisons parce qu'on veut que vous soyez des esclaves à vie. Des esclaves à vie. Vous voyez? Des esclaves à vie. Et nous, direct, c'est pour ne plus que vous soyez esclaves. Voilà. Tout pouvoir vous a été donné. Le mariage vous appartient par droit divin. Quand on dit droit divin, ça veut aussi comporte-toi comme un héritier divin. Comme une héritière divine. Si ce n'est pas le cas, tu deviens esclave. Ami mien d'ici d'ailleurs. J'ai lu tous vos conseils, j'ai lu toutes vos réactions. Il y en a qui disent que je dribble beaucoup, donc je peux commencer à parler du papier. Après, je laisse au papier, il m'avait parlé du ballon. J'aime dribbler. Voilà, je fais comme ça. Mais quand je fais tout ça, je parle. Hein. Il y en a même quand je fais direct, j'ai déjà donné la recette. Et quand je dis, je vais donner ça dans un groupe, alors que j'ai déjà donné. Ceux qui m'écoutent attentivement, c'est qu'il a déjà donné la recette. Maintenant, ils vont encore venir, inbox. Papa, tu as dit que... J'ai dit, mais écoute, non, direct. J'ai déjà donné la recette. Vous voyez, donc c'est pas ça. Il faut... Bon, d'aucuns disent que je suis un bon humoriste. Mais c'est ça, on va faire comment? Hein? Si tu n'es pas simple et humble, là, Dieu ne va pas te bénir. Hein? Ami bien d'ici, d'ailleurs. Vraiment. Voilà, c'est un peu ça. Le monde est trop méchant. Voilà. Il fallait que je monte. Voilà. Vous voyez, voilà le colis qui part demain. Vous avez vu? Ça, c'est la poudre jaune consacrée. Dedans, il y a le feu. Voilà, il y en a que 10. Voilà, ça là, c'est l'ensemble pour le commerce. Le mien, l'ail qu'on avait fait, en fait, l'ail là, c'était pour que. Toutes les vertus, tout ce que l'ail peut faire là. Tu as mal à la dent, soupourer, utiliser l'ail là. C'était pour ça. Également, comment ça attire le commerce, c'était pour ça aussi. Mais ça, son rôle, c'est pour la clientèle. C'est-à-dire, tu fermes ta boutique. Les gens même t'appellent pour dire, Nelly Dominique, les gens t'appellent pour dire, madame, il est minuit, pardon, viens nous servir. Bah, c'est ça. Il n'y a que 10. Voilà. Deuxième, voici l'ensemble de pleine lune. Il n'y a que 10. Ce qui part demain lundi. Bon, vous voyez, pour faire tout ça, ce n'est pas facile. Voilà. Ça, c'est la poudre blanche. Il y a la poudre blanche dedans. Il y a la poudre de couleur marron. Et il y a également la poudre noire. Ça, c'est pour les gens, tu es dans une relation... Ne va pas dans une relation. Quand tu commences une relation, l'homme est bien, il veut bien, tout. Le jour où tu as touché, là, c'est fini. Voici ça. Retour à l'envoyeur. Si ce n'est pas le cas et que ça n'a pas marché, appelle. Tu dis, Manou de la vie, je n'ai pas eu mon résultat à remboursement. Il n'y a pas de problème. Ça veut dire que j'ai menti. Mais si c'est ce que tu as, c'est fini. Ton problème est résolu.
Amine vient d'ici d'ailleurs. Donc, c'est tout ça qui va aller lundi. Voilà, lundi, demain à 10h, papa, je crois plus tard mercredi. Mais ça pèse, hein, seulement 2 kilos. Comment ça va? 2 kilos. Dedans, il y a la poudre noire. Ça, c'est la poudre noire, ne voyage pas. Donc, il faut cacher ça. Sinon, à la report là-bas, on dit non, ça n'aime pas. Il croit que c'est une âme, c'est pas bien, c'est, je sais pas quoi, ça ne voyage pas. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Pour nos soeurs et nos frères qui ont des histoires de mari de nous, c'est ma spécialité, je vous ai déjà dit ça. Ne vous fatiguez pas. Mari de nuit, s'il a signé acte de mariage pour 50 ans, là, je vais le tuer. Je ne cache pas ça, je le tue. Et il ne viendra plus. S'il vient après ton traitement, 21 jours après qu'il vienne, là, dis Manu de la vie, tu es un menteur. Quand tu commandes, là, lui maintenant, il vient, il regarde les fenêtres. Tu lui viens, là, il fuit. Maintenant, après ça, il faut te nettoyer. Et généralement, pour les hommes qui ont les femmes de nuit, c'est ce problème-là. L'éjaculation précoce, faiblesse sexuelle, tout ce qui est là, problème. Pourquoi? Parce qu'il est connecté à un démon, à un esprit de démoniaque qui est la femme de nuit. Et diamants, ils sont très, très jalouses. Et ils ne restent pas trop longtemps avec une femme. Quand ils commencent une relation, ça ne dure pas. Ils font promesse de mariage, ça ne dure pas. Donc, et sa vie devient difficile. Parce que celle-là veut, elle a prouvé dans son gars. Donc, elle ne veut pas partager. C'est de ça qu'il s'agit. Ce qui se passe ici, là, c'est comme ça se passe dans le monde invisible, c'est comme ça se passe dans le monde visible. Comme vous êtes aussi exigeant, c'est comme vous aussi sont exigeants. Amis, même d'ici d'ailleurs. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Demain, on va faire le direct. Ça, c'était un direct bonus. Voilà. Un direct bonus pour vous dire que vous êtes sur le droit chemin. Que rien ne trouble votre paix intérieure. Vraiment. C'est vrai, c'est pas facile. Depuis 20 ans, tu es dans les faux ongles, dans les histoires. Personne ne t'a jamais donné les conséquences. Ne t'a jamais dit que c'est pas bon. Aujourd'hui, je te le dis, prends tout ça là. Va vendre. Prends l'argent, va donner ça aux mendiants. Dieu va te bénir. Sois naturel. Laisse tes ongles là naturels. Nettoie-les, traite-les proprement et tout. Quand c'est long, trop long, tu coupes. Tu coupes. Ce n'est pas que n'importe quel jour il faut couper. Tu regardes le ciel. Et quand tu coupes tes ongles, ne laisse ça pas comme ça, que ça balade partout. C'est ce que vous faites. Les gens marchent sur vos ongles. Les ongles coupés là, ça marche. Dans vos histoires de pédicure, manucure, les gens marchent sur ça. Mais c'est sur toi. Il y en a même qui marchent, qui coupent les ongles en marchant. Ça jette, ils jettent ça partout. Non! Non! C'est ton corps. Même au village, quand la maman se cresse, elle prend le pain pour se cresser, elle se cresse. Quand elle finit là, elle enlève. Pour jeter, elle crache sur ça d'abord avant de jeter. Vous croyez que ta maman, elle est folle? Ta grand-mère est folle? Vous êtes dans la modernité, quoi. Mais voilà, là, regardez votre vie. Vous n'êtes ni chez avec les blancs, vous n'êtes ni africains. On va vous classer, finalement. C'est comme si vous êtes des rejetons. Vous êtes des rejetons, c'est-à-dire, on dit balle perdue. Ça, vous ne devez même pas exister. Parce que vous n'avez aucune fierté. Tu n'es ni africain, tu n'es ni chez les blancs. Maintenant, la peau que Dieu t'a donnée, qui est la somme de toutes les couleurs, le noir est la somme de toutes les couleurs. Tu dis, tu ne veux pas. Tu vas maintenant faire un dansant pour devenir blanc. Le blanc ne deviendra jamais noir. Dieu t'a fait noir. Tu dis, non, je ne veux pas. Je vais faire le dansant. Tu deviens maintenant clair. Après, maintenant, on ne peut pas t'opérer. Cancer de peau. Tout ça, là, tu es exposé parce que tu veux être blanc. C'est quoi on a mis dans vos mains? Arrêtez ça, ce n'est pas bon. Soyez fier d'être né africain. Soyez fier d'être né africaine. Parce que le noir est la somme de tout. Dans le noir, il y a le jaune, il y a le rouge, il y a le bleu, il y a ceci. Les premiers japonais, les premiers qui ont occupé la ville de Paris, étaient des noirs. Les premiers japonais, étaient des noirs. Nous sommes l'humanité. Tout vient de nous. Nous ne venons pas d'eux. C'est eux qui viennent de nous. Maintenant, ils vous ont mis dans... Quand parce que tu allumes la télé, c'est leur langage, c'est leur information que tu écoutes. Je te dis non, comme ils ont dit ça, comme le confinement. Ils ont dit, mais nous, on n'a pas besoin de confinement ici. J'ai mes gens là-bas en Europe. Papa, maintenant, tu fais comment? Va, marché central, allez-y. Est-ce qu'il y a les morts chez nous? Restez avec vos trucs là-bas. Vous croyez que nous, on va entrer dans le confinement par rapport à quoi? Qui a quoi? Voilà mes médicaments. Eh, tiens, la tête de mes ancêtres. Vous allez avoir vos trucs là pour venir. Non, on voit clair. C'est avant. Vous nous avez envoyé les polios, vous nous avez injecté. C'est fini ça. Nous, on voit clair. Même internet, on va prendre ça pour sensibiliser nos parents.
Que Dieu vous bénisse. C'est quoi non, mon frère? Bon, je t'attrape maintenant, mon frère. Voilà, c'était Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes. Le direct que vous avez écouté s'appelle Les choses de la vie. C'est un espace que nous avons créé pour parler des choses de cette vie. Demain, lundi, que Dieu vous bénisse. Demain, à la même heure, peut-être avant, à 20h, parce que 20h, c'est un peu bon. Demain, à 20h, si Dieu le veut. À la fin de la semaine, je serai à Yaoundé. Bon aller-retour. Vendredi, je serai à Yaoundé. Voilà. Un aller-retour. Voilà. Je voudrais vraiment voir les miennes. Hein, c'est toujours un moment très plaisant de voir Flo, de voir Ruth, de voir Nikes, tout ce monde-là, voilà. Vous me manquez quoi, c'est comme ça. Voilà, que Dieu vous bénisse. Voilà, je vous souhaite une très bonne nuit. Voilà, que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. Voilà. Voilà, à demain. Merci, merci. À demain. Thank you.